Redécouvrez l'univers de la percussion traditionnelle et laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants des instruments tanga. C'est plus particulièrement en Côte d'Ivoire que naissent les djembés de la série Iroko. Ces djembés sont fabriqués à partir de l'arbre du même nom, l'Iroko, qui est un bois noble d'Afrique alliant durabilité et légèreté. En effet, il peut être 20 à 25% moins lourd que ceux traditionnellement utilisés. Entièrement faits main, les instruments tanga Iroko sont le fruit d'un artisanat local. En effet, ces djembés sont fabriqués dans la plus pure tradition qui restait la même depuis des décennies. Des heures et des heures de travail sont nécessaires pour fabriquer un instrument. C'est ainsi que la série de djembé Iroko est sans aucun doute la meilleure du marché. Dans un premier temps, le bois est coupé en billes d'environ 60 cm de long. Seuls ceux dont le duramen, autrement dit le cœur de l'arbre, est supérieur à 33 cm sont sélectionnés. La bille est débarrassée de son écorce et de l'aubier qui entoure le cœur avec une hache. On ne conserve ainsi que la partie la plus dure et dense que le bois peut offrir. Ensuite, une première fouille du djembé est réalisée en perçant de part en part en son centre un trou de 15 cm de diamètre environ, à l'aide d'une barre de fer munie d'une gouge à son extrémité. Ces opérations permettent d'alléger le bois et de réduire son encombrement, notamment pour le transport à l'atelier et de favoriser le séchage. La bille est grossièrement taillée et ne fait qu'évoquer la forme définitive du djembé. Par la suite, le tailleur extérieur donne sa forme définitive à l'instrument, à l'aide d'une épinette appelée kamara. Cette étape est importante car elle anticipe la finition et nécessite une grande précision pour obtenir une forme harmonieuse sur le futur instrument. Pour la partie intérieure, on utilise tout d'abord une gouge pour y vider le bois, ceci afin d'en retirer la plus grande partie. Puis, le tailleur intérieur fouille le djembé à l'aide d'une petite épinette à manche très court, appelée djegi. Cette étape demande également un savoir-faire très précis afin d'obtenir une épaisseur régulière, tout en conservant assez de bois pour une bonne solidité. Ensuite vient l'étape de la décoration, qui est aussi entièrement réalisée à la main. Elle est plus ou moins élaborée selon les modèles. Pour terminer, le djembé est équipé d'une peau de chèvre tendue par un système de tension par cordage. Trois cerclages de fer sont nécessaires, deux pour le haut et un plus petit pour le bas. Ils sont entourés d'un tissu pour la finition et la protection de la peau. Puis, les nœuds de serrage sont montés sur le cerclage supérieur et le cerclage inférieur afin d'accueillir la corde de tension. La peau de chèvre utilisée est trempée plusieurs heures dans l'eau afin de lui donner toute sa souplesse. Rasée, elle est montée sur l'instrument et étirée pour un bon positionnement au niveau du chanfrein du djembé. Une fois séchée au soleil, la peau est tendue à l'aide du cordage par les monteurs qui, munis d'un manche en bois et d'une pincée d'eau, donnent à l'instrument le son recherché du djembé.